Caen 8e accueille Niort, 20e et dernier. Les Canets restent sur deux défaites. Il n'y a eu qu'une seule victoire sur les 6 derniers matchs. Mais Stéphane Boulin bénéficie du retour de Romain Thomas et de Vandermeersch. Mendy et Kiremé sont titulaires en attaque. Niort de son côté inquiète beaucoup. 2 points pris sur les 6 dernières rencontres. Sania, Boutoba et Merji vont essayer de perturber l'équipe normande. Première possibilité pour le Stade Malherbe de Caen. Avec cet accrochage, mais l'arbitre laisse l'action se poursuivre. Deuxième accrochage. Suspicion de pénalty après ce contact sur Vandermeersch. Et possiblement 2 fautes amiénoises dans la foulée. L'arbitre n'intervient pas. Attention à ce genre de faute pour la défense niortaise. Niort s'en est sorti et passe enfin à l'attaque. Une première possibilité, la sortie d'Anthony Mandrea pour empêcher un premier but adverse. Bonne attaque niortaise avec Sania, lancé à pleine vitesse. Il bute sur le gardien normand. Le match reste assez incertain, mais Caen essaye d'insister. Une première déviation de la tête et le geste instinctif qui change tout. Godson Kiremé marque le but du 1-0 et de quelle manière. On joue depuis 5 minutes dans le temps additionnel de la première période. C'est un coup très dur pour les Chamois. Mais le retourné est spectaculaire pour placer le ballon à un endroit où le gardien Mathieu Michel ne peut intervenir. Troisième but de la saison pour Kiremé. Caen mène 1-0. Et c'est le score à la mi-temps. La situation parfaite pour l'équipe normande et l'inquiétude pour Niort. Même s'il reste beaucoup de temps, toute la seconde période à jouer pour voir les Niortais revenir. Pourquoi pas sur cette séquence, ballon pour Boutoba. Boutoba pour la frappe enroulée, c'est à côté. Superbe geste de Bilal Boutoba. Mais ça ne suffit pas. Le chronomètre tourne en faveur des Canets, en train de retrouver le chemin de la victoire. Et tant qu'il n'y a pas de deuxième but, les Normands ne seront pas tranquilles. Ils essayent de le mettre. La tentative de frappe croisée, c'est largement à côté. Finition manquée pour Benjamin Janot. Et au final, Niort ne parvient jamais à égaliser. Victoire de Caen 1-0. Caen se replace et remonte en 6e position au classement.